À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous pourrez entendre Meurtre à la télévision, une histoire policière de Pierre Laroche, et Le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Les anciens chroniqueurs ont rapporté qu'aux approches de l'an 1000 régnait une terreur panique de la fin du monde. Le monde continua pourtant son petit bonhomme de chemin, et les visionnaires animés de l'esprit de prophétie n'eurent plus qu'à reporter la mort de l'univers à l'an 2000, c'est-à-dire dans 56 ans d'ici, demain en somme. Pour étayer leurs horoscopes, ces prophètes de malheur ont toujours cherché des signes dans le ciel. Autrefois les éclipses, les passages de comètes faisaient parfaitement l'affaire. Mais à notre époque atomique, nous sommes devenus plus difficiles. Aussi nous avons les soucoupes volantes et leurs inquiétants passagers. Mais voilà que les signes se manifestent jusque sur la Terre. Entre autres, cette énigmatique maladie des pare-brises d'automobiles qui éclate sans cause connue. Et s'il n'y avait que les pare-brises qui soient victimes de cette épidémie? On signale que des ménagères ont vu, de leurs yeux vus, des verres, des saladiers en cristal, voler en poussière, sans que personne les ait touchés, magiquement pour ainsi dire. Ainsi, le mystère descend du fin fond de l'infini pour s'introduire jusque dans nos salles à manger. Pour prendre un autre exemple, que doit-on penser de ce fait divers si troublant qui nous fut adressé il y a quelques mois par M. Liravoir à Issy-les-Moulineaux et Mme Ligonèche à Marseille, entre autres auditeurs? Nous vous rappelons ce fait divers. M. Jerry Travers de New York fut quelque peu surpris mercredi soir de voir sur l'écran de son poste la tête d'une femme qui le regardait avec des yeux fixes. Une heure plus tard, la tête était toujours là avec la même expression. Les images défilaient derrière, en partie cachées. De guerre lasse, M. Travers, qui imputait cette désagréable surimpression à une erreur des techniciens, éteignit son poste. Hier soir, il tourna le bouton, la tête était encore là, avec des yeux toujours fixes. Il fit alors appel à un technicien qui conclut, après divers contrôles, que cette tête insolite était probablement une image d'une précédente émission qui, pour une raison ou pour une autre, s'était gardée sur l'écran. En écoutant cette relation d'un fait qui présente toutes les caractéristiques du surnaturel, on peut difficilement se défendre d'un sentiment de malaise. Or, c'est ce fait divers qui a servi de point de départ à Pierre Laroche pour imaginer l'histoire que vous allez pouvoir entendre dans un instant et qu'il a intitulée « Meurtre à la télévision ». Pierre Laroche n'est pas précisément un garçon impressionnable. Il a donc empoigné le mystère à bras-le-corps et il a donné une explication de l'inexplicable. Ce n'est ni une explication de savant, ni une explication de philosophe, c'est bien entendu une explication de romancier. Vous pourrez en juger en écoutant « Meurtre à la télévision ». Et maintenant, mesdames et messieurs, voici la vedette du Pélican, Virginia Nanton, l'incomparable chanteuse de charme. If it's something sweet and gentle, she'll grow soft
and sentimental and kiss all your worries away. Bravo. Virginia, venez boire un verre avec nous. Virginia, vous nous aviez promis... Oh non, excusez-moi, non, non, pas ce soir. Je suis attendue. Justement, on vous attend. C'est très gentil, mais vous n'êtes pas les seuls. Laisse tomber, je veux pas d'histoire. Quelles histoires? Bah, tu sais pas que la Virginia, c'est l'ami de Duke? Ça l'empêche pas d'aller fredonner avec Mike. Un petit minable, un journaliste de rien du tout, regarde-les. Ouais, oui, je les regarde, mais un jour, c'est Duke qui les verra. Non, mais c'est un scandale, regarde un peu, regarde-les. Alors, les nouveaux immeubles de la grande Oh. Tu as eu tort de venir, Mike. Mais j'avais envie de te voir. Nous avons passé tout l'après-midi ensemble. Oh, c'est dangereux. Tu sais bien que tu... Mais puisque tu as décidé de le laisser tomber... Et je ne l'ai pas encore dit. Ouais, c'est bien ce que je te reproche. Oh, tu le connais pas. Écoute, Mike. Partons tous les deux. En week-end? Non, non, pour toujours. Je ne demanderai pas bien, chérie. Mais moi, j'ai pas les moyens de perdre mon job. Les journaux de New York me cavalent pas après. Mais je chanterai. Je gagnerai assez d'argent. Ah, pour m'entretenir? Ah non, pas question. Non, je sais pas nager. Écoute, Mike. J'ai peur. Va-t'en, Mike, va-t'en. Demain, nous parlerons, nous prendrons une décision. Mais elle est prise. Oui, oui, oui. Mais va-t'en, je t'en supplie, va-t'en. Non, si c'est pour te faire plaisir. Oh, ça ne me fait pas plaisir. Mais c'est plus prudent. Oh, toi, t'es faite pour devenir une vraie femme d'intérieur. Allez, à demain. Comme d'habitude. À demain. Un taxi, monsieur? Non, merci, je vais marcher un peu. Bouge pas, tocard. Quoi? Mais que voulez-vous? Bouge pas. Puisqu'on te le dit, on serait obligé de te faire du mal. Mais j'ai l'impression que vous devez vous tromper de client. Garde tes impressions pour toi. T'es pas Mike Bell, le journaleux? Mais je... Si? Eh ben, tu vois, il n'y a pas d'erreur. Mais monte gentiment dans la voiture, on a besoin de te parler. Mais enfin... Monte! C'est comme ça que les accidents arrivent. Allez! Virginia, Duke voudrait te dire un mot. Où est-il? Dans son bureau. Bon, ça va, j'ai... Tu m'as demandé, Duke? Je t'ai demandé. Qu'est-ce que tu veux? Te dire bonsoir. Tu rentres pas avec moi? Si, je rentre avec toi. Mais je pouvais plus me passer de ta présence, il fallait que je te voie. Tout de suite. C'est beau, l'amour. Tu rigoles? Oui. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Moi? Rien, le cinéma. Le film était bon? Pas mal. Et hier? Quoi, hier? T'as été au cinéma aussi? Non, j'ai fait des courses. T'as une vie très occupée. En somme, t'as pas une minute à moi. Tu fais de l'esprit, maintenant? Bon, on a bien le droit de rigoler un peu, non? Moi, si j'avais pas le souci de mes affaires... Je suis plutôt de caractère gay. Non, mais c'est vrai, rien m'amuse. Tiens, tu te souviens de ce petit salopard de Frank? Non. Mais si, Frank Drucker. Il avait essayé de nous faisander dans une histoire d'appareil à sourds. Oui, oui. Ah ben, tu vois que tu te le rappelles. Eh ben, un gars un peu morose se serait contenté de le faire descendre, comme ça, bêtement. Tandis que moi, ben, moi, je l'ai fait filer dans le sac attaché à l'un des appareils à sous. C'était un truc plein d'humour. Et du meilleur effet. Et puis tout le monde a compris. Mais t'es toute pâle. Pourquoi me racontes-tu ça? Pour te distraire. Je voudrais pas que tu t'ennuies, moi. Tiens, on va faire marcher la télévision, hein. C'est justement l'heure de Palon Cassidy. Tu veux un verre? Allons, bon. Oui. Qu'est-ce que c'est? Robin, les choses sont là. Ils entrent. Ok. Salut les gars. Salut patron. Alors, ça s'est bien passé? Une vraie partie de plaisir. On a emballé le tocard au coin de la rue, gentiment. Il a été convenable? Très correct. Juste un peu surpris. Ces mômes-là, ça se croit tout permis, et puis après, ils s'étonnent d'en rien. On l'a emmené dans un coin tranquille, et puis on lui a causé... Pas trop. Oh non, non, comme vous aviez dit. Ouais. Juste assez pour qu'il se souvienne. Même qu'on a été délicat. Après...
On l'a refilé dans la voiture, on a été le déposer près de l'hôpital de la 26e rue. Mmh. Maintenant, il doit être dans un bon lit, bien au chaud. Ah, oh, vous êtes des braves garçons, vous avez du cœur. Ah, ça, pour le cœur, on craint personne. Bon, bah, ce sera tout pour ce soir, je vous remercie. Bon, y a pas de quoi. C'était du sucre. Oh, moi, j'aime bien corriger un tocard. Ça me délasse. Hey, salut, patron. Salut. Bonne nuit. Bah, tu vois, des hommes comme ça, on n'en fait plus. Heureusement. Ils te plaisent pas, mignonne? De gorille pareil, tu voudrais pas? Bah, évidemment, si tu me demandes mon avis, je... Mais tu me le demandes pas toujours, hein? Qu'est-ce qu'ils viennent de faire encore? Rien. Qui était-ce? Qui? Ah, le tocard qu'ils ont envoyé à l'hôpital? Ouais. Oh, rien. Un petit journaleux qui m'énervait. Bah, tu me connais, moi j'ai les nerfs à fleur de peau. Un journaliste? Oui. Puis même pas un champion. Un spécialiste des chiens écrasés, un minable, quoi. Ces gars-là, on peut les ratatiner, ça tire pas à conséquence. Sauf pour eux. Bien sûr. T'es marrante, cocotte. Mais ce qu'on en fait, c'est pour leur bien, quoi. Tu verras, le nommer Mike après cette avoine, il comprendra. Mike? Tu le connais? Non. Remarque bien que ça se pourrait, dans nos métiers, on rencontre tant de monde. Tu veux toujours pas prendre un verre de raine, poupée? Si, si, donne. Tiens. Rien de tel pour te remonter. T'as pas l'air bien. Si. Très bien. D'ailleurs, tu sais, maintenant, le Mike, il a compris. Il se portera bien mieux qu'avant. Il filait un mauvais coton. Ça suppose que je sois pas un bon gros, hein? Que je me sois fâché pour de bon. Eh ben, le Mike, il y en aurait plus. Mais dans le fond, hein, ça n'en valait pas la peine. Juste une observation, ça suffira. Oui. Espérons-le. Voilà. Espérons-le. J'ai froid. Je voudrais rentrer. D'accord. Ça me fait plaisir de rentrer de bonne heure, ce soir. Et toi, cocotte, ça te plaît de rentrer de bonne heure avec moi? Oui, Duke. Alors, docteur, comment trouvez-vous notre malade? Vénard. Il s'en tire avec trois côtes brisées, des contusions multiples, et grâce à la dureté de son crâne, il a évité la fracture. Quand on lui enlèvera ses points de suture, il n'aura même pas mal à la tête. Ça, on peut dire que vous avez eu de la chance. Ah bon? Si vous trouvez que se faire assommer sans raison est une preuve de veine irrésistible, alors là, j'ai plus rien à dire. Écoutez, mon ami, moi, je ne suis pas un policier, je suis médecin. Et alors? Alors, expliquez ça à ces messieurs. Quand un pavé est tombé du ciel sur votre tête, parfait. Mais avec moi, c'est inutile. Je n'ai jamais vu un type pourrer de coups sans qu'il puisse se douter d'où lui vient cette aubaine. Le lieutenant Sullivan est là avec l'inspecteur Costello. Oh, mais je ne tiens pas à les voir. Peut-être. Mais comme le désire et que votre état ne s'y oppose plus, débrouillez-vous avec eux. Messieurs, vous pouvez entrer. Salut, Mike. Salut. Bonjour, lieutenant. Ça va mieux? Ben, le toubib trouve que c'est merveilleux comme résultat. Ouais, c'est pas lui qui s'est fait dérouiller, hein. Alors, que s'est-il passé? Ben, je sortais du Pélican Bleu. Oh, tu fréquentes le Pélican Bleu? Oui, de temps en temps. Ce soir-là, j'y avais pris un verre. Avec qui? Ben, avec personne. J'ai bu tout seul. C'est drôle. On a vu une femme à ta table. Ah, oh, ben, je me souviens plus. Ben, avec le coup qu'il a pris sur le crâne, c'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant, mais c'est dommage. Alors, quand tu as eu fini ton verre? Ben, je suis sorti, j'ai refusé le taxi que m'offrait le portier. Hein? Et 100 mètres plus loin, deux voyous m'ont abordé et m'ont fait monter de force dans une voiture. C'est original ce que tu dis. Ben, rien n'est original là-dedans. Ils m'ont emmené dans un terrain vague du côté des docks, puis ils me sont tombés dessus. Et je me suis retrouvé ici pour me faire traiter de vénard. Tu l'as peut-être échappé belle, ils auraient pu te tuer. Mais pourquoi? On compte sur toi pour nous l'expliquer. Oh, je ne sais pas. Tu te connais pas d'ennemi, Mike? Enfin, pas à ce point-là. Et tes deux agresseurs? Jamais vu avant. Tu les reconnaîtrais? Peut-être, oui, c'est pas sûr. Il faisait nuit. Malgré les 36 chandelles. Oh, oh, je trouve ça pas drôle. Moi. Tiens, je t'ai apporté quelques photos. Regarde un peu ces gueules de tueurs. Tu retrouveras peut-être tes amis. Oui, je veux bien essayer. Non, non, non.
Non, je vois pas, non. Ces deux-là, ils travaillent toujours ensemble. Ce sont des hommes de Duke. Duke? Oh, ne fais pas la bête, c'est le patron du Pélican Bleu. Le Pélican Bleu, où tu vas prendre des verres tout seul. Je connais pas. Et la poule qui, depuis 15 jours, allait chez toi tous les après-midi, tu la connais pas non plus? Mais ça vous regarde pas. Vous avez jamais entendu parler d'un truc qui s'appelle la vie privée? Tu n'as jamais entendu parler d'un journaliste qui, à force de jouer au petit soldat, finira par gagner le cocotier? Ben, j'ai gagné, ça me suffit comme ça. Tu as la trouille? Ah ben, mettez-vous à ma place. Si c'est ta façon d'aider la justice, bravo. Mais la justice m'a pas empêché les deux gars de me dérouiller. Non. C'est tout ce que tu as à nous dire? Non. Au revoir. Au revoir, Mike. Salut, Mike. Qu'est-ce que vous leur avez fait à ces deux-là? Ils n'ont pas l'air contents. Oh, ben, j'ai pas voulu leur raconter une histoire de brigands. Ça les amuse encore? Oh, ce ne sont que des flics. Vous avez encore une visite, une jeune femme. Ils l'ont vue? Ben, forcément, elle est dans le couloir. Et ils lui ont rien dit? Non, ils l'ont regardée. Elle en vaut la peine. Je vous l'envoie. Oui. Après, vous aurez encore de la fièvre, hein? Enfin. Entrez, mademoiselle. Bonjour, Mike. Mais... Ce n'est pas moi que vous attendiez, je sais. Et qui êtes-vous? Doris. Ça ne vous dit rien? Mais je suis aussi une amie. La meilleure amie de Virginia. Mais elle ne m'a jamais parlé de vous. Probable que quand elle est avec vous, elle a d'autres sujets de conversation. Moi, elle m'a parlé d'un grand dadais de journaliste. Ça devait être vous. Et qui me prouve que vous me dites la vérité? Tiens, vous devenez prudent. Voici un mot de Virginia. Merci, Doris. Oh, j'étais mort d'inquiétude. Vous avez aussi failli mourir d'autre chose. Virginia espère que vous avez compris. Comment est Duke avec elle? Empressé. Lui aussi espère qu'elle a compris. Et que compte-t-elle faire? L'endormir. Et dès que vous serez sur vos jambes, filer avec vous. Elle dit que cette fois, c'est fini. Duke ne pourra plus rien contre vous. Ça veut dire? Oh, j'aime pas beaucoup ces salades. Enfin, je crois que depuis le temps qu'elle est avec lui, elle en sait assez pour vous donner de quoi écrire quelques articles. Elle ferait ça? C'est une poire, pas vrai? Parce qu'il y a des risques. Mais après les articles, il paraît que Duke et ses copains iront à la chaise en grande vitesse. Et que vous, vous serez célèbre. Oh, elle est merveilleuse! À mon avis, elle est surtout piquée. J'aurais jamais cru ça d'elle. C'est comme si les coups que vous avez reçus lui avaient fait mal à elle. Dites-lui de ma part d'être prudente. Très, très prudente. Oui, ben c'est juste ce qu'elle vous recommande. Quand sortirez-vous d'ici? Bon, bientôt, une huitaine de jours peut-être. Bon, je reviendrai après-demain pour vous donner les dernières nouvelles. D'ici là, pas un mot, à personne. Il n'en faudrait pas beaucoup pour que vous soyez lessivés tous les deux. Soyez tranquille. À mercredi. Et embrassez-la pour moi. Je veux bien. Mais ça lui fera pas le même effet. Tout va bien, Duke. Les flics sont allés voir l'autocar à l'hôpital cet après-midi. C'est gentil de leur part. Et il l'a bouclé. Bon, qu'est-ce qu'il aurait pu leur dire? Leur parler de Virginia. Penses-tu, il ne voudrait pas lui créer des ennuis? Sans compter que ça lui retomberait sur le museau. Rubin et Joe lui ont déjà expliqué ça. Et à propos, les poulets lui ont sorti un lot de photos. Il y avait celle de Joe et de Robin, et il n'a reconnu personne. Ouais. Il a été tout ce qu'il y a de discret. Il se fait, ce petit, il se fait. Et il a eu une autre visite, une souris drôlement bien roulée, à ce qu'il paraît. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Pourvu qu'il laisse tomber Virginia, je ne veux pas l'empêcher de chasser ailleurs. Faut bien qu'il se console. J'ai jamais demandé qu'on se serve d'un rasoir pour le corriger. Ah, t'es un bon mec quand on te connaît. À part ça, rien. Pas un coup de téléphone, pas une bafouille, dis donc. Ah, rien. Mmh. Ouais, la Virginia semble avoir compris. Oh, c'est une fille bien. Mais comme toutes les filles bien, elle a besoin d'être tenue en main. Tiens, Virginia. Justement, on parlait de toi. Ah oui? Oui. J'expliquais à Jack pourquoi t'étais une fille bien. Parce que je t'aime, mon amour. Voilà. Alors, tu vois, Jack, il y a qu'elle pour trouver des trucs comme ça. Ah, Poulette, samedi, je t'emmène au cinéma. Il y a un truc au petit poil. Un film de gangster avec Humphrey Bogart, ça nous changera les idées. Ah non, pas samedi, Duke. J'ai une télévision en direct. À quelle heure? 8h. Bah alors, je t'écouterai d'ici. Je chanterai pour toi. Qu'est-ce que tu dis de ça, Jack? T'es un vénard. Ah non, de Dieu, tais-toi, tu vas me foutre la poisse. Oh, voyons, Duke. Tu sais bien que je suis ton porte-bonheur. Thank you.
voici des visites pour vous. Salut, Mike. Bonjour. Eh ben, vous avez de la suite dans les idées. Faut pas nous en vouloir, on est payé pour ça. Ouais, pas bien payé, mais on est payé quand même. C'est pour avoir de l'augmentation que vous êtes venu me voir. On voudrait simplement que tu réfléchisses. Si toutes les victimes font comme toi, nous resterons toujours désarmés devant les voyous. Nous savons que c'est Dieu qui t'a fait dérouiller. Ben alors, puisque vous le savez, vous n'avez pas besoin de moi. Si, pour en avoir la preuve. Suppose que tu reconnaisses Rubin et Joe. Et qui est-ce? À mon avis, les deux gorilles qui t'ont si bien arrangé. En supposant. Ça nous permettrait de remonter jusqu'à Duke. Et après? Après, nous lui poserions quelques questions embarrassantes. Mais auxquelles il répondrait sans le moindre embarras. À la rigueur, vous arrêterez mes agresseurs et deux jours après, ils seront libérés sous caution. Et c'est pour ça que vous voulez que je vous raconte ma vie, au risque de me faire descendre par ces corneaux. Enfin, c'est pas sérieux, non? Dans le fond, chef, il a raison, le... Bon, la ferme, Costello. Mike, tu ne vas pas me dire que tu as les foies. Si, alors je me tais. Parce que pour le moment, vous n'avez aucune chance de le faire condamner, Duke. Et je connais quelqu'un qui sait suffisamment de choses pour le faire passer à la casserole. Enfin, quand le moment sera venu. Ah ouais? Virginia Manton? Ah mais j'ai nommé personne. Elle parlerait? Elle me l'a promis. Alors on se planquera dans un coin tranquille, tous les deux, et en avant la musique. J'écrirai tout ce qu'elle me dira sur Duke, l'utile et l'agréable. Et je deviendrai un grand journaliste, et puis j'aurai la peau de ce caïd à la manque. Mais si vous le sautez avant qu'il ait eu le temps de réagir, il saura même pas d'où vient le coup. Ouais, c'est vrai ça. D'ailleurs, pour ne rien laisser au hasard, je vous enverrai les documents avant de les publier. Tu ne les as pas aujourd'hui? Oh, mais vous avez la tête dure, elle ne m'a encore rien dit. Alors quand? Dès que je pourrai quitter l'hôpital. Lundi prochain, elle fait la malle. Alors deux ou trois jours plus tard, vous aurez de nos bonnes nouvelles. Dieu qu'à ce moment-là aura des nôtres. Eh ben, vous voyez qu'on arrive toujours à s'entendre. Ouais, t'es vraiment un bon gars, Mike. Merci, Costello. Dommage que j'ai jamais pu te blairer. T'es bien aimable. N'empêche que si tu tiens parole, je te paye un verre. Pas vrai, chef? Bonsoir, Mike. Salut, Mike. Allô, Duke à l'appareil. Quoi? Mais t'es pas fou de me téléphoner ici? Si je suis seul. Mais c'est pas prudent quand même. Ça pourrait pas attendre? Bon, vas-y. Quoi? Quoi? T'es sûr? T'étais là? Avec Sullivan? Oh la vache. Merci, vieux. T'auras droit à la prime. Oui, 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 tu seras content. Qu'est-ce que je vais faire? Tout le nécessaire. Elle ne parlera pas. Muette. Muette comme une tombe. À l'autre petit tocard ne sait rien. C'est fou ce qu'il peut avoir de la veine, celui-là, sur son lit d'hôpital. Ok. Jack! Qu'est-ce qu'il y a, patron? Une seconde, laisse arriver les copains. Vous avez appelé? Oui, Rubin. Joe est pas avec toi? Il arrive. Il m'est nodé avec une serre. Allez, fermez les portes. Où est Virginia? Elle doit se maquiller, ça va être l'heure de son tour de chant. Parfait. Les gars, je viens d'avoir un tuyau. Costello, le flic, m'a téléphoné. Cette salope va nous donner. Virginia? Sans blague. Virginia? Et toi, Jack, ça ne t'épate pas? Oh, j'ai jamais eu confiance en elle, moi. Surtout ces derniers temps. Elle t'aimait trop. Va falloir s'occuper d'elle. Une belle fille comme ça, ça sera un vrai plaisir. Une partie de campagne. On l'emmène en balade dès ce soir. Oui, c'est ça. Et demain, les flics sont là. Si elle l'ouvre, ils seront là dans 5 minutes. Mais elle s'allongera pas avant lundi, j'en suis sûr. Ah, quand même. Il y a des trucs qu'il faut pas laisser traîner. Ah, et pas question non plus de nous en occuper nous-mêmes, on serait repérés tout de suite. C'est bien notre veine. Pour une fois que la cliente était intéressée. La ferme. Jack, tu vas téléphoner au Grand Schultz à Détroit, de ma part. Ouais. Il y a des gars très bien là-bas. Qu'ils en mettent un dans l'avion tout de suite. Ok. Alors, dès que le copain arrivera, tu le chambreras discrètement. Les instructions... Oui, bah, pas question de régler l'affaire ici, ça ferait du tort à la boîte. Mais samedi à 8h, Virginia fait un cacheton à la TV. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Vous vous enfermez maintenant? Allez, ouvre, Joe. Oh, excuse-moi, chérie. On parlait affaire. C'est fou ce que vous pouvez travailler. Bah, c'est pas mieux te gâter, exaucer tous tes petits caprices. Oh, à propos, le manteau de vison dont je t'ai parlé. Bah, achète-le, poupée, achète-le. Non, c'est vrai? Tu veux bien? Tu le mérites. Oh. Ah, tout ce que je te demande, c'est d'attendre la semaine prochaine, hein, parce que jusqu'à samedi, je vais être un peu serré. Lundi, alors?
Lundi, ce sera très bien. Oh, merci, chérie, merci. Laisse-moi t'embrasser. Oh, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils en font des tests. Ce qu'ils ont, c'est ça, Lola. Mais ils sont jaloux, pardi. Jaloux à en crever. Pas vrai, les gars? Les voyageurs pour Washington, New York, Philadelphie, au départ. L'avion de Détroit vient d'atterrir. Les voyageurs sortent par la porte B. Les voyageurs pour Washington, New York, Philadelphie, au départ. Monsieur le professeur, lui-même, vous êtes Jack Conway. Oui, heureux de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi. Asseyons-nous au bar, il n'y a personne. Que prendrez-vous? Un verre de lait. Et pour moi, ce sera un rail. Comme vous voudrez. Vous avez quelques petites instructions à me donner? Oui. Voici votre billet de retour pour l'avion de minuit. Ce soir même, oui? Oui. Parfait. Je suis très casanier. Voici un billet qui vous permettra d'entrer à la télévision. Le spectacle est à 8h. Oh, j'adore la télévision. Votre place est située tout à côté de la porte de secours qui s'ouvre sur l'échelle d'incendie. Une voiture vous attendra en bas et vous ramènera directement ici, à l'aérodrome. Voilà qui me paraît tout à fait en ordre. Le client. C'est une cliente. Ah, tant mieux, je suis misogyne. Elle s'appelle Virginia Manton. Voici sa photo. Permettez. Je la regarde. Très bien. Reprenez-la. Vous ne la gardez pas? Ah non, inutile et imprudent. J'ai une excellente mémoire visuelle et je n'ai pas l'intention de lui demander d'autographe. Comme vous voudrez. Elle chantera à 8h précises. Pour la dernière fois, oui. Espérons-le. Oh, soyez tranquille, j'ai d'excellentes références. Monsieur Schultz a dû vous en parler. Pour l'arme? Oh, ne vous occupez de rien. J'ai aussi mes petites habitudes. Je travaille toujours avec mes outils personnels. J'ai tout ce qu'il me faut. Sur vous? Non, dans ma serviette. Il conviendrait peut-être de nous séparer maintenant. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Inutile d'attirer l'attention. Qu'allez-vous faire jusqu'à 8h? J'ai quelques petits projets. Tout d'abord, aller me restaurer. Je connais un excellent établissement végétarien tout près de l'opéra où l'on donne cet après-midi un concert de musique sacrée. Aimez-vous la musique, monsieur Conway? Bon, c'est-à-dire, vous savez, à part le jazz. Oh, vous vous privez délibérément de bien grandes joies. Eh bien, au revoir, cher monsieur, et enchanté d'avoir fait votre connaissance. Au revoir, monsieur le professeur. Ah, mais... dites donc, au fait, vous êtes professeur de quoi? Quelle heure est-il? 8h moins 10, Duke. La télévision est réglée? Ouais, on n'a plus qu'à tourner le bouton. Vas-y, il faudrait pas louper la commande. Baisse le son. Là, ça va, comme ça on est tranquille. Jack. Ouais. Comment est-il, le professeur? Bah, un petit vieux qui a l'air de rien, ou plutôt de tout ce qu'on veut, quoi, sauf d'un tueur. T'as confiance? Non, mais du moment que le grand Schlutz nous l'envoie... Ah, j'aurais mieux aimé Red. Hey, moi aussi, seulement Red, il a été descendu il y a plus d'un an par le FBI. C'est vrai. À quoi je pense? Joe et moi, on aurait fait ce boulot-là sans rien demander à personne. C'est ça. Et après, j'avais plus qu'à signer. Vous êtes de pauvres cloches. Ah, voilà le speaker. Maintenant, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, clic-clac, la célèbre marque du chewing-gum. Clic-clac, la gomme de l'élite. À l'honneur, la joie, le plaisir de vous présenter en exclusivité, mais en chair et en os, la vedette du Pélican Bleu, Virginia Manton, dans son tour de chant. Bonjour Virginia. Bonjour Bob. Toujours ravissante. Mais que mâchez-vous, s'il vous plaît, avec tant de gourmandise? Des chewing gum. N'importe quel chewing gum. Oh, mais non, voyons. Clic-clac, le chewing gum de l'élite. Bravo Virginia, bravo. Et après cette preuve de bon goût, qu'allez-vous nous chanter? Tenez, posez-le là. Soyez tranquille, vous le retrouverez à la sortie. Qu'est-ce qu'il faut? Mais qu'est-ce qu'il fout, le professeur? Regarde, c'est le petit vieux là-bas au fond. A woman likes to be told. Better hair is finer.
caméras vont rester sur Virginia. On va se régaler. Qu'est-ce qu'il attend, ton professeur à la manque? J'espère qu'il va pas se dégonfler. Oh, c'est pas le genre du grand Schlutz, c'est du sérieux. Ça y est. Oh, regarde. Oh, oh, du don. Elle a pris toute la cinglée dans le bide. Oh, regarde sa bouille, elle est. Oh, du don. Bon, Duke, pourquoi as-tu coupé? On commençait juste à rigoler. Je l'ai vu. Oh, c'était bête. Elle allait tomber. Ouais, forcément, les morts, ça tient pas debout tout seul. Ça va, laissez-moi. Ça va pas, toi, hein? Tu veux un verre? Non. Non, mais je crois que je l'avais à la bonne, cette salope. De la voir comme ça, avec des yeux vides, ça m'a fait tout drôle. Ah bah ça, elle avait pas l'air à son aise. Allez, débinez-vous. Je vais essayer de plus y penser. Mais on ferait mieux d'aller faire un tour dans la salle. Un petit alibi des familles, 500 personnes qui nous verront. Ça, c'est du cousu humain. Il a raison, allez, viens, Dio. Si vous voulez. Oh, je sais pas ce que j'ai eu un moment de défaillance. Oh, c'est rien, un peu de fatigue. Oui, tu travailles trop. Tu devrais prendre des vacances, pêcher la truite. Quand même, le petit professeur, dis donc, il connaît son boulot. Oui, maintenant j'ai vu. Oui. J'espère que tu ne vas pas laisser ça, hein. Tu vas nous aider à venger cette pauvre Virginia. D'accord, lieutenant, seulement je voudrais bien savoir comment. Tu n'as pas une idée, non? Un indice? Alors comme ça, vous avez besoin d'un indice pour savoir que c'est Duke qui l'a fait descendre. Vous êtes des rigolos, vous autres, dans la police. Puisque c'est Duke qui... Bon, c'est Duke qui? Et puis après? Eh ben, vous vous dégonflez, quoi. Mais donne-moi une preuve et je le fais boucler tout de suite. Jusque-là, je ne peux rien. Ah, vous attendez peut-être qu'il vienne vous faire des aveux spontanés. Mais je ne peux tout de même pas l'arrêter aujourd'hui pour le relâcher demain avec des excuses. Duke a un alibi irréfutable. Ben voyons. À l'heure du crime, il se saoulait au Pélican Bleu devant une pleine salle de témoins. Mais c'est pas lui qui allait se mouiller. Il a les moyens de garder les pieds secs. Il a renvoyé un des deux mecs qui m'a amoché l'autre soir. Non. Jack Conway, Rudbin et Joe étaient avec lui. D'ailleurs, l'homme qui a tiré était un petit vieux. Il a sorti son flingue d'une serviette en cuir qu'il gardait sur ses genoux. Tout s'est passé devant la caméra, dans le champ des projecteurs, sous les yeux d'un million de téléspectateurs. Ah, du cinéma. Oh, tu ne crois pas si bien dire. Le programme qui passait chez nous en direct était filmé pour des stations de province. J'ai vu le film. J'ai vu de mes yeux le meurtre comme si j'y étais. Et vous n'êtes pas foutu d'arrêter l'assassin? Mais il aurait fallu être sur place au bon moment. Les spectateurs ont eu les foies. Le petit vieux avait déjà filé par l'échelle d'incendie. Une auto l'attendait. Et voilà. Alors, il n'y a plus qu'à enterrer la victime. Et Duke enverra sûrement la plus belle couronne. Il était vraiment fou de cette fille, à ce qu'on dit. Bah, c'est peut-être pas une raison pour la faire supprimer. Sécurité d'abord. Virginia en savait trop long. Et elle avait de mauvaises fréquentations. Alors vous allez laisser tomber? Ce soir, j'irai quand même faire un tour au Pélican Bleu. Mais d'abord, je vais aller voir les gars de la télé. Pourquoi faire? Oh, une idée, comme ça. Salut, Mac. Au revoir, lieutenant. Dites! Hein? D'après vous, comment ont-ils su que Virginia allait parler? Parce que c'est pour ça qu'ils l'ont tué, c'est sûr. Enfin, qui a bien pu leur raconter? Ben, je ne sais pas, Mac. Tu n'as rien dit? Non, à personne. Alors? Alors, il y a bien Doris? Doris. Une copine de Virginia, cette poule qui était venue m'avertir. Non, mais elle était terrorisée. Elle n'aurait jamais pris un risque pareil, non, c'est pas elle. Ça ne peut pas être elle. Et si c'était elle quand même? Ah, oui, ça vous arrangerait que ce soit elle, hein, Sullivan? Bon, hein, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Vous êtes venu seul aujourd'hui? Sans Costello? Oui, et alors? Bah alors rien. Costello, il avait besoin de vacances. Je peux pas le blairer, moi, Costello. T'énerve pas. Tu vas encore faire de la fièvre. Écoute, Duke, fais pas cette tête-là. Tout s'est bien passé. Le grand Schulz m'a téléphoné. Paraît que le professeur a été ravi de son concert de musique religieuse. Je suis passé chez le fleuriste. Elle aura une batte couronne, la Virginia. Rien que des fleurs rares. On verra que tu fais bien les choses. Moi, je connais une blonde enroulée comme un cigare de marque, dis donc. Tiens, si tu voulais, Duke, t'aurais qu'un mot à dire. Veux-tu qu'on ouvre la télévision? Depuis deux jours, on sait plus ce qui est arrivé à Hopalong Cassidy. Foutez-moi la paix, donnez-moi à boire. Tu bois trop, t'as pas dessoulé depuis... Depuis qu'elle est morte. Oh, dû à cette pleurnicherie. C'était elle ou toi? Je vois toujours ses yeux quand les balles l'a frappé. Oh, faut rien exagérer, elle a pas souffert. T'as vu les journaux? Tué sur le coup, qu'ils disent. C'est une belle mort. Un mauvais moment à passer, c'est tout. Oui. Quoi? Le lieutenant Sullivan? Bon, merci.
Là, les flics. Nous affolons pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir? Rien, comme d'habitude. On a un alibi de première. Et en plus, c'est pas nous qui avons descendu cette tordue. On est innocent comme l'agneau qui vient de naître. Non, c'est pas vous. C'est pas le professeur. C'est moi. Quoi? Duke, t'es pas dingue, non? C'est ça que tu comptes dire au Bourric? Tu entres un peu, bon Dieu. Entrez. Bonjour, messieurs. Belle réunion. Vous êtes en conseil de guerre? Bon, vous rigolez, lieutenant. Vous savez bien qu'on n'est plus en guerre avec personne. Eh, vous avez remarqué? Je suis venu seul. Vous suffisez à notre bonheur. Moins on voit de flics, plus on rit. Je n'ai même pas dit à Costello que j'allais vous rendre une petite visite. On s'en fout. Peut-être, mais je tenais à vous faire une surprise. Eh bien, Duke, tu es bien silencieux à côté de tes petits rigolos. Il est saoul. Il noie son chagrin. Pourquoi dites-vous ça, lieutenant? J'ai pas le droit d'avoir du chagrin. Il n'y a qu'à voir la couronne qui vient de payer à Virginia. Pauvre Duke, je devrais peut-être t'offrir mes condoléances. Tu vas t'ennuyer maintenant tout seul. Heureusement que tu as la télé. Ça va, foutez-moi la paix avec la télé. C'est vrai, depuis l'accident, il y touche plus. Mais il a tort, ça lui rappellerait sa chère disparue. Ce serait un peu comme s'il lui rendait visite au cimetière, ce serait gentil. Vous allez me foutre la paix, non? D'abord, qu'est-ce que vous voulez? Je te l'ai dit, t'apporter mes condoléances. Quelle heure as-tu? Minuit cinq, pourquoi? Pour rien. Je me demandais ce qu'ils peuvent bien passer à la télé en ce moment. Je peux allumer? Touchez pas au poste. Pourquoi? Je vous dis de pas toucher au poste. Je t'aurais pas cru sentimental à ce point-là, quand même. Ah, et puis faites ce que vous voudrez, je m'en fous. Et moi, donc? Oh, regardez, mes enfants! Voilà une charmante émission. Nous, on aime bien la télé. Oh, regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez! Regardez, c'est elle! Virginia! Ça, alors, la tête de Virginia, c'est fantastique. La tête de Virginia, juste au moment où elle a été assassinée. Va-t'en. Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais là, puisque t'es morte? La parole, il devient fou! Elle me regarde, pardon, Virginia, pardon, va-t'en. Qu'est-ce qu'il raconte? Ferme ta gueule, Duke! C'est ma faute, et oui, c'est moi qui ai donné l'ordre. Coupez le courant, bon Dieu! Laissez-la parler! J'avoue, c'est moi, oui, c'est moi. Mais qu'elle s'en aille. Je peux plus supporter de la voir. Ses yeux sur moi, ses yeux morts, je peux plus. Qu'elle s'en aille tout de suite. Au secours! Au secours! Duke et ses complices comparaissent aujourd'hui devant le tribunal pour répondre d'une inculpation de meurtre au premier degré dans l'affaire Virginia Manton. Rappelons que les aveux de Duke ont été provoqués par l'apparition sur son écran de télévision du visage de sa victime en image fixe, exactement telle qu'elle était lorsqu'elle fut frappée par les balles. Duke et ses complices croient à une manifestation surnaturelle. En fait, la séance au cours de laquelle avait été exécuté le meurtre ayant été filmée, l'inspecteur Sullivan eut l'idée de faire reprojeter par les services de la télévision, au moment choisi par lui, l'image tragique prise à l'instant du crime. Sa ruse a été couronnée de succès, et on ne pense pas, malgré tout le talent de leurs défenseurs, que les coupables puissent échapper à la chaise électrique. Meurtre à la télévision. Nouvelle policière de Pierre Laroche était interprétée par Rosie Ward dans le rôle de Virginia, Jean-Marie Amato dans le rôle de Duke et Maurice Birot dans le rôle de Mike. Avec Jacques Hilling, Pierre Olivier, Guy Pierrot, Guy Decomble, Lucienne Le Tondal, Pierre Leproux, Gaëtan Jor, Jacqueline Rivière, Robert Chandeau et Maurice Pierra, le speaker de la télévision. Better hair is fine as gold, though she knows you are... Bruitage Gabriel de Rivage, assistant de production Jean Garetto. La nouvelle de Pierre Laroche que vous venez d'entendre lui avait été inspirée par un fait divers quelque peu fantastique, relatant qu'une figure de femme était restée accrochée de nombreuses heures à l'écran du poste de télévision d'un particulier. C'est encore au domaine du fantastique pur que se rattache ce fait divers, extrait de combat,
qui nous a été adressée par Madame Netter à Paris. Selon une curieuse dépêche Reuter que nous reproduisons sous toute réserve, un élixir qui procure aux adultes la sensation d'être redevenu enfant a été essayé sur des malades dans un hôpital psychiatrique britannique, donnant de remarquables résultats. Le remède, un extrait d'ergot, reporte le patient dans le passé et lui fait revivre avec une extraordinaire clarté des événements de sa petite enfance. Cette invention serait de la plus haute importance en matière de diagnostic et de traitement des maladies mentales. Une femme à qui avait été donnée une dose infime de ce remède a déclaré qu'elle avait été des plus surprises de voir son bras et sa main de la dimension de ceux d'un enfant de 7 à 8 ans. « Je ne me souviens pas, a-t-elle dit, d'avoir éprouvé la sensation d'être d'une taille différente, mais quand je me suis regardé, je me suis aperçu que j'avais rapetissé. Il me semblait que j'étais en train de faire des courses avec ma mère dans un grand magasin de Bournemouth. Cet élixir est connu sous le nom de LSD-25. Il aurait été découvert tout d'abord par deux savants suisses, Stoll et Hoffmann, en 1938. En attendant que ce merveilleux élixir d'Alice au pays des merveilles soit mis en vente libre, relevons ce vol peu banal envoyé par M. Doé à Biville-la-Rivière, Seine-Inférieure. Une colossale effraction. Une porte d'écluse pesant 30 tonnes volée dans le port de Brest. Les autorités ne se sont aperçues du larcin que lorsqu'il a fallu refermer le bassin de Radoub. Cette soustraction frauduleuse est le fait d'un scaphandrier qui, employé par une société de récupération d'épaves, avait charge de découper à quelques encablures la carcasse rouillée d'un vieux rafiot. Plusieurs commissions rogatoires ont été délivrées, mais le scaphandrier court toujours avec sa porte de 30 000 kilos. Si l'auteur de ce vol est arrêté ultérieurement, il sera difficile à l'avocat qu'il défendra de prétendre qu'il a agi à la légère. Et voici pour finir une information qui nous est transmise de plusieurs côtés et qui ne manque pas non plus de saveur. Vienne, 11 juin. Un invalide de 31 ans, bricoleur acharné, a mis 2 ans pour se fabriquer une guillotine destinée à mettre fin à ses jours. Il y a 1 an déjà, aux premiers essais, elle n'avait pas fonctionné. Il dut changer le couteau et refaire la glissière. Cette fois-ci, il utilisa la lame d'un massicot. Tout étant fin prêt, il mit hier sa tête dans la lunette, tira sur le déclic et la guillotine fonctionna parfaitement. Il se décapita du premier coup. On se demande ce qu'il faut le plus admirer dans pareille aventure, l'esprit de suite du bricoleur ou la perfection de sa technique. Nous remercions vivement de leurs envois cette semaine Monsieur ou Madame Souchu à Fontenay-sous-Bois, Monsieur Noël Bourgeois à Marville-les-Bois, Eure-et-Loire, Monsieur André Martin à Paris, 15e, Madame Antoinette Bonnet à Marseille, Monsieur Claude Bigot à Asnières, Mademoiselle Jacqueline Costa à Paris, Madame Chemin à Paris, 6e, Monsieur Maurice Bandial à Neuilly-Plaisance, Seine-et-Oise. Le fait divers qui a été retenu cette semaine en vue d'une émission ultérieure a paru en mars 1954. Le voici, Londres. Dans la soirée de mardi, George Smart, 55 ans, portier d'un élégant et tranquille hôtel du quartier résidentiel de Kensington, l'Alban Court, téléphonait à sa fiancée qui ne le prit pas au sérieux. « Je crains que cette nuit ne me porte malheur, » disait-il. À l'aube, l'équipe de nettoyage trouvait Smart assassiné, derrière son comptoir, les mains liées, le crâne fracassé. Il serait étonnant que Smart ait eu sans motif l'intuition de son assassinat. C'est aussi notre avis. Le tirage au sort a désigné comme gagnant de la brochure M. Marcel Aubé de Brest, qui se révèle décidément un des champions de notre jeu des faits divers, aussi bien par ses choix et son assiduité à nous faire des envois que par la chance qui vient de le favoriser à 2 reprises. Mesdames Péala et Ducrot, toutes 2 à Saint-Étienne, et M. Albert Viala à Nîmes recevront chacun un roman policier à titre de consolation. C'est François Billedoux qui va imaginer et écrire pour vous une histoire à partir de ce fait divers. Petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures.
livre lu par Germaine Beaumont. Un très bon livre à lire en été, lorsque l'on éprouve le besoin de réagir contre la paix trop grande des vacances, c'est le roman de Mabel Seeley, intitulé « D'autres chats à fouetter », que publie Ditis dans la collection Detective Club. Le roman de Mabel Seeley garantit en effet un sommeil troublé de quelques cauchemars. Il narre les aventures d'une jeune divorcée, Mrs. Dacres, contrainte pour des raisons matérielles de quitter un confortable appartement meublé pour s'installer dans une pension de famille des plus bizarres, tenue par une dame âgée, Mrs. Gar, dont les beaux cheveux blancs ne sont nullement le symbole d'une pureté d'hermine, du moins en ce qui concerne son passé. Mrs. Gar, au surplus, ne semble avoir d'affection que pour ses trois chats et son chien, affection qu'ils sauront lui rendre d'ailleurs sous une forme dévorante. Par contre, elle tyrannise ses pensionnaires à la fois par sa méfiance et ses exigences, sans parler de la façon plutôt arbitraire dont elle a fixé le montant de leur loyer. Et puis, un beau jour, on s'aperçoit que Mrs. Gar, partie soi-disant en excursion avec sa nièce, n'est pas revenue. On présume qu'elle a fait une fugue, mais il n'en est rien. Toutefois, pour parvenir à élucider le mystère de sa disparition, il faut passer par des émotions que l'aimable vocabulaire actuel qualifierait de gratinées. Le tout culmine dans une apothéose d'horreur, mais le style alerte de Mabel Seeley atténue l'horreur au profit de l'humour. L'étude successive des pensionnaires, courbés pour des raisons différentes sous le joug de la redoutable et mystérieuse Mrs. Gar, fait sans cesse rebondir l'action et constitue un pittoresque tableau de mœurs. Enfin, la manière dont Mrs. Dacres s'improvise détective, les catastrophes qui de ce fait s'abattent sur elle, les risques qu'elle ne cesse de courir avant de parvenir, en assez mauvais état, à élucider les dramatiques secrets de la pension de famille, classe l'auteur du livre, Mabel Seeley, parmi les meilleurs auteurs féminins du roman policier. Après de tels imbroglios, celui du dernier roman de Earl Stanley Gardner, Le Vison Mité, paru aux presses de la Cité dans la collection Un Mystère, paraît beaucoup moins romanesque et beaucoup plus juridique. C'est à la fois la force et la faiblesse des romans de Stanley Gardner qui se complètent à mettre en évidence toutes les astuces et toutes les anomalies du code pénal. Ce qui nous gêne un peu, c'est que le code américain diffère du nôtre, de sorte que beaucoup de finesse nous échappe. Dans Le Vison Mité, nous retrouvons donc l'avocat Perry Mason aux prises, ainsi que sa secrétaire Della Street, avec le problème que pose la fuite épouvantée d'une serveuse de restaurant qui laisse derrière elle un manteau de vison mité. Comment peut-on laisser les mythes brouter un manteau de vison? Eh bien, justement, tout est là. Les spectacles vus par Roger Régent. Dans une émission qui a pour titre Faits divers, il est évident que l'on devrait parler dans la chronique des spectacles des actualités cinématographiques. Ces bandes hebdomadaires sont en somme les faits divers du cinéma. Si je n'ai jamais mentionné ces actualités jusqu'à présent, c'est parce que ces courts reportages qui changent tous les jeudis n'appellent pas beaucoup de commentaires. Les opérateurs font souvent des prouesses remarquables et dangereuses. Mais dans les limites de temps qui leur sont imposées, ils ne peuvent guère nous donner que ce que l'on appelle des nouvelles en trois lignes. Mais voici que par bonheur, nous venons de voir sur l'écran un fait divers qui mérite, comme on dit dans le journalisme, d'être sorti. Il s'agit de ce film intitulé si joliment « Le vol du héron blanc » et qui relate le voyage autour du monde de la reine Élisabeth II et du duc d'Édimbourg. C'est un spectacle souvent merveilleux. Nous suivons la reine aux Bermudes, à la Jamaïque, Tonga, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'île des Cocos, Ceylan, Aden, Tobrouk, Malte, Gibraltar. Et ce voyage de 80 000 km qui dura 6 mois, nous le faisons grâce au cinéma en 2 heures et dans un bon fauteuil. Il faut ajouter que pour un film de cette sorte, le cinémascope apporte beaucoup. Allez voir ça. Je dois avouer pourtant que ce reportage ne m'a pas paru avoir l'unité, le ton shakespearien ni la grandeur du film réalisé pour le couronnement. Il y en a une vingtaine, mais je veux parler de celui en technicolor que commentait Laurence Olivier. Le vol du héron blanc n'est pas toujours bien composé, ou plutôt il n'est pas composé du tout. La fin notamment tombe au lieu de s'épanouir en apothéose. L'accueil de la Home Fleet,
la découverte des côtes de Grande-Bretagne, qui durent être tout de même des moments émouvants dans ce voyage, nous n'en voyons rien. Du point de vue de la couleur aussi, c'est très inégal, avec des images admirables, certes, comme la fête de gymnastique à Sydney ou Melbourne, je ne me rappelle plus très bien, ou encore les bâtiments de l'escadre dans les eaux de Malte. Maintenant, vous voudriez peut-être savoir pourquoi ce film, qu'en dépit de ces quelques remarques, je vous conseille très vivement d'aller voir, vous voudriez peut-être savoir pourquoi il s'appelle Le vol du héron blanc. Quoi, Sa Gracieuse Majesté est-elle comparée à un héron ? Il n'y a là rien d'irrévérencieux. C'est au contraire une image très poétique des Maoris qui accueillirent leur reine avec ces mots. « Ô étrangère d'au-delà de l'horizon, précieux héron blanc à l'envolée unique, sois la bienvenue dans cette citadelle avancée de tes territoires, reine d'un puissant empire, bâti sur l'amour de peuples innombrables, pénètre en ton domaine. » Ne croit-on pas retrouver là tous les récits fabuleux de notre enfance, toutes les plumes et tous les tam-tams de nos grands voyages imaginaires ? L'histoire que vous pourrez entendre la semaine prochaine a été inspirée par le fait divers suivant. Une erreur de transmission nous a fait annoncer hier matin que le numéro 99 824 gagnait 200 000 francs dans la série A de la loterie et 250 000 francs dans la série B, alors que c'est le numéro 00824 qui est sorti au tirage. Nous avons annoncé le 22 juin que la brochure dédicacée de l'histoire qui serait tirée de ce fait divers était gagnée par M. Jean Hillel à Marseille. Nous avons omis, et nous nous en excusons vivement, d'ajouter que Mlle Hélène Doré à Marseille et messieurs Gissinger, également à Marseille, et Michel Lévy à Neuilly, recevraient chacun, à titre de consolation, un roman policier. C'est Jean Marcillac qui a écrit cette histoire. Il l'a intitulée « La petite valise ». La radiodiffusion française vous a présenté Faits divers, une émission de Pierre Véry et Maurice Renaud, réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous avez pu entendre Meurtre à la télévision, une histoire policière de Pierre Laroche, et Le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Nous rappelons à nos auditeurs que tout le courrier relatif à cette émission doit être adressé à la Radiodiffusion française, émission Faits divers, 107 rue de Grenelle, Paris 7e.